Je voudrais dans mon humble chanson faire passer ce message important. C'est la seule chose qui nous évitera le châtiment pour l'éternité. Assalamu alaikum, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de la foi, qui est la condition essentielle pour l'acceptation des bons actes. Il faut savoir qu'en islam, la meilleure des œuvres et le plus important des devoirs, c'est de croire en Dieu, Allah, et en son messager, le prophète Mohammed. De plus, la foi est une condition pour l'acceptation des actes de bien. Ainsi, celui qui ne croit pas en Allah et en son messager n'aura absolument aucune récompense dans l'au-delà, quels que soient les actes de bienfaisance qu'il aura fait. Abu Hamid al-Ghazali a dit: La tasihhu al-ibadah illa ba'da ma'rifati al-ma'bud. Le sens de cette parole est que l'acte d'adoration n'est valable qu'après avoir connu celui que l'on adore, c'est-à-dire Allah. En effet, tous les actes d'adoration tels que la prière, le jeûne, la purification ne sont valables que de la part de qui connaît son Créateur, qui croit en son existence et qu'il n'a aucune ressemblance avec ses créatures, et qu'il est unique et n'a pas d'associé. Pour cela, la science de la croyance est prioritaire dans l'apprentissage de la religion. Être musulman, c'est de croire en Dieu et au prophète de son époque. La communauté actuelle est celle du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est donc lui que nous devons suivre. Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Afdalul a'mali imanum billahi wa rasoulih. Ce qui a pour sens: la meilleure des œuvres, c'est la croyance en Allah et en son messager, rapporté par Al-Bukhari. L'acte d'adoration n'est valable que de la part du croyant. Pour celui qui n'est donc pas croyant, non seulement ses actes d'adoration ne seront pas récompensés, mais en plus ils ne sont pas valables. Le Qur'an certifie également que les bonnes actions seront récompensées avec cette croyance correcte. Pour preuve, nous citons ce verset ayah où Allah Ta'ala dit: وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. Ce qui a pour sens: ceux qui accomplissent de bonnes actions, hommes ou femmes, tout en étant croyants, ceux-là entreront au paradis et ne subiront aucune injustice, pas même d'un naqir. Le naqir est un appendice minuscule du noyau de datre. Cette image est pour montrer qu'ils ne subiront aucune injustice, pas même minime. Sourate An-Nisa, ayah 124. Retrouvez-nous chaque vendredi pour un nouveau rappel vidéo, Inch'Allah. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum. Et vous qui m'avez écouté, il ne s'agit pas d'oublier. Le meilleur des actes, en réalité, c'est de croire en Dieu et en son messager, de croire en Dieu et en son messager. D'aussi loin que je me souvienne, on ne m'avait jamais parlé de ce qui pouvait réellement m'éviter le châtiment pour l'éternité. Le châtiment pour l'éternité.